Alors oui, bonjour, aujourd'hui je me mets à l'américaine. Non, en fait tout simplement, je suis malade. Il est mercredi, il fait gris, je suis chez moi, donc j'allais pas sortir les créoles en or et le corsage pour aller voir mamie le dimanche. Non, ce qui est important, c'est le contenant et pas le contenu. Non, ce qui est important, c'est le contenu et pas le contenant. Voilà ce que c'est de vouloir faire l'intelligent. Donc voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo toute rikiki parce que, alors je sais pas si vous savez, mais j'ai envie de rajouter une catégorie de vidéos à ma chaîne qui serait une catégorie de vidéos immersion. En fait, je vous amènerai avec moi dans différents lieux où je vais. Je vous rassure, je ne vous amènerai pas avec moi quand je vais à la poste. Hein? Non. Enfin, quoique, des fois à la poste, il se passe des trucs un petit peu chelous. Mais voilà, j'aimerais vous amener avec moi dans différents endroits et vous faire participer. Quand je vous amène quelque part. Des fois, on se pose des questions sur ce lieu ou sur la personne qui est sur place. Donc, vous faire participer et pouvoir répondre à vos questions une fois que je suis sur place. Et ben, c'est plutôt cool. Comme ça, vous regardez la vidéo et en même temps, vous avez les réponses à vos questions. Donc, nous allons passer tout de suite au vif du sujet. Jingle. Question-réponse, foire aux questions, FAQ. Voilà. Donc, nous sommes le 3 décembre et cette FAQ sera ouverte jusqu'au, on va dire, mi-janvier. Hein. Oui, vous avez le temps comme ça de vous poser et de bien réfléchir aux questions que vous voudrez poser. En fait, je me suis mis d'accord avec mon pote tatoueur parce que, alors on va prendre les choses dans l'ordre, respire. Le 24 janvier, j'ai une séance tatou chez mon ami tatoueur et je me suis mis en relation avec lui pour lui demander si ça le dérangeait. Si vous pouviez lui poser des questions pendant ma séance tatou. Et bien évidemment, comme il est hyper sympa, il m'a dit non, pas de problème. Du coup, j'ouvre cette FAQ pour lui. Et si vous avez quelques petites questions pour moi, je les prends, il n'y a pas de souci. Mais bon, essentiellement des questions sur le tatou pour qu'un professionnel puisse vous répondre. Parce qu'il y a des personnes, je sais que vous aviez regardé ma vidéo sur mes tatous, leur signification et tout, et ça vous avait bien plu, donc je me dis que normalement là, ça devrait bouger. Donc voilà, si vous avez des questions, si c'est votre premier tatou, sur la cicatrisation, sur le temps d'une pièce, sur le prix d'une pièce, sur la façon de faire, la stérilisation, ou n'importe quelle question sur le tatou, n'hésitez pas à poser tout ça. Je n'ai pas pris mon carnet YouTube près de moi, mais bon, j'ai plein de post-it, plein de trucs prêts à être imprimé, j'écris toutes vos questions, après je les présenterai à mon pote, on fera un tri entre nous et puis le 24 janvier, donc j'ai rendez-vous à 17h pour me faire piquer, j'ai trop hâte et du coup on pourra faire ça ensemble, ça sera cool comme ça, vous verrez comment se passe une séance de tatouage, mais en même temps on répondra à vos questions. Donc qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? C'est tout, je crois. Voilà. Hein? Allez, ciao! Non, mais voilà. Vous avez jusqu'à mi-janvier, donc ça vous laisse un petit mois, un gros mois. Voilà. Je suis très fatiguée. Je ne sais pas si vous le voyez, mais oui, je suis très fatiguée, ce qui fait que c'est un peu brouillon. Vous avez un gros mois pour poser vos questions. Et puis, à chaque fois que j'ai une question, je marquerai noter comme ça. Vous serez sûr que ça sera pris en compte, quoi. Je vous fais des gros bisous. Franchement, je suis trop, trop excitée. J'ai trop hâte d'être le 24 janvier. Comme ça, je vais pouvoir allier tatouage et interaction avec vous. Je suis vraiment trop contente. J'espère que vous êtes excitée par le projet également. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo qui sera peut-être une petite vidéo cuisine. Oui, oui, oui. Gros bisous. Et n'allez pas dehors, ça casse.